Dans les années 60, de nombreux immigrés portugais constituèrent le bidonville de Champigny-sur-Marne. Ce bidonville fut le plus grand de la région parisienne. Devenu la plaque tournante de l'immigration portugaise en France et en Europe, il abrita jusqu'à 14 000 personnes. On est à Champigny-sur-Marne, c'est là qu'il y avait le célèbre bidonville où habitaient 14 000 personnes. Et c'est là, moi-même, j'ai vu un autre monde. Oui, c'est l'avenue Grande Godet, c'est le 111 que j'ai habité. L'avenue Grande Godet, c'est une rue pleine de baraques partout. Il y avait plein de boîtes aux lettres, en bois, en contreplaqué. Tu vois, 45 ans après que je suis venu là, ça me fait quelque chose. On avait prévu de les faire travailler, mais on n'avait pas prévu de les loger. Et le logement, on leur disait tout simplement qu'il y avait un terrain vague à côté et qu'ils se débrouillent, qu'ils fassent exactement ce qu'ils pouvaient faire avec des matériaux comme ils pouvaient. Ils n'avaient que de la terre devant eux. Il y avait de la paille par terre, c'était à même la terre, il y avait de la paille. Il y avait 4 matelas. Alors 5 personnes qui étaient qui logeaient là, qui occupaient la totalité du local, alors sans chauffage, avec une petite coupure d'électricité, c'est tout, sans eau, sans rien. Ils n'avaient pas de chaise, ils n'avaient rien de tout ça. La seule possibilité qu'ils avaient, c'était de s'asseoir par terre. Évidemment, il y avait aussi des exploiteurs. Il y avait un Portugais qui venait de Lisbonne en avion percevoir l'argent de 100 baraques qu'il possédait, véritablement des taudis, pas de lumière, pas de ramassage de poubelles, c'était une horreur. Des milliers de baraques ici, on ne peut pas l'oublier, parce que c'est ici. Tant de jeunes mariés qui sont venus, ils ont laissé leurs enfants au Portugal, ils ont pleuré beaucoup, ils ont souffert beaucoup. Les baraques, c'était un tôle, un contreplaqué, un parpaing, tout ça, dans nos nuits, on faisait une baraque. Que ces pauvres gens, non seulement ils souffraient, mais ils étaient détestés. Ils étaient éloignés de leur famille, qu'ils ne pouvaient absolument pas faire venir ici. D'ailleurs, dès qu'on a eu les premiers logements, les familles sont arrivées. Et c'est pour ça, ce sont des gens qui sont, pour beaucoup d'entre eux, restés ici. Ils sont des Campinois, comme moi, comme tout le monde. Donc c'est une injustice profonde, quoi. C'était pas possible d'avoir des choses pareilles. Et des gens surexploités comme ils l'étaient, en plus. C'était le bidonville, la seconde capitale du Portugal, comprenez? Pourquoi? Parce que les Portugais qui ne pouvaient pas se nourrir sur quelques mètres carrés dans le nord du Portugal, et beaucoup de jeunes qui étaient menacés d'aller à la guerre en Angola, venaient se réfugier ici dans le bidonville, parce que aussi la France avait besoin de travailleurs. Après la guerre, on avait besoin de construire des maisons. Il n'y a eu aucun autre bidonville en France qui a eu une population qui a varié entre 12 à 15 000 personnes, au moins selon les recensements officiels. Il arrivait, je pense, un quart tous les 2-3 jours. Et les gens savaient donc que c'était forcément dans ce terrain-là. Les petites baraques, ça poussait comme des champignons, c'était incroyable. Alors ça nous a vraiment outrés, parce qu'on a dit c'est pas possible, c'est pas digne de la France que d'avoir des êtres humains dans des conditions pareilles. Et nous avons redoublé de protestations, nous avons exigé que ces gens soient relogés, etc., etc. L'action de la municipalité a été constante, quoi. Oh.